Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui t'observeront, déclare le président de la Cour suprême, aujourd'hui, lors de l'investiture de son Excellence, le chef de l'État, président de la transition, président de la République de Guinée. Euh... Mamma mia, quels sont ceux qui doutent encore qu'on la honte sur toi Oh les RPGs, ils ont perdu la tête. Oh. Ils ont parlé, 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 ça n'a pas suffi. Ils ont insulté, ça ne suffit pas. Ils ont critiqué, ça ne suffit pas. Maintenant c'est la malédiction oh. qu'on la honte sur eux. Sur Dumbuya. quoi tu vas voir, quoi tu vas finir mal. <laughs> quoi il se croit déjà président. Eh les RPGS, vous ne vous fatiguez pas? que non, quoi n'est pas notre président. Qu non, en... quoi il faut quoi il faut libérer Alpha Condé le champion de l'Afrique. <laughs> Quels sont ceux qui doutent encore On vous a dit que la victoire finale sera celle du peuple. Que non, que tu as tué des gens au palais. Que tu allais prêter quoi à serment. Qu'on ne te croit pas. Est-ce qu'on a besoin que vous le croyez vous, vous fatiguez seulement. Nous, on avance. Que non, que je, je n'arrive pas à croire. Ah, tu n'arrives pas à croire. C'est ce qui est là-haut, devant toi. Mon cher. marie ambarie comment vas-tu, ma soeur? J'espère que tu vas bien là-bas. Que non, que tu vas voir. Ah, moi, je dis, OK, comme il va voir, nous allons voir ensemble. On va là-bas comme ça. On va là-bas voir ensemble. Doumuya, il va pas voir seul. Ma soeur Mariam, s'il te plaît, viens avec moi. On va, on va, on va voir avec Doumbouya. <laughs> Jackie Alpha, s'il te plaît, tu vas nous accompagner. Que Doumbouya va voir. Alors, il ne va pas voir seul. Hein. <laughs> J'espère vous voir un jour quand je serai à Paris. a to à ah, mon cher. Moi, je suis l'homme du peuple. On se verra toujours. Euh, la déception, elle est totale. Voilà, et Bala, bala Rezo, Kononko, le champion de l'Afrique. Mon oeil, c'est la déception de l'Afrique, ouais. Vous croyez toujours qu'Alpha Condé sera président Vous croyez toujours, vous les RPGs Kononko, il n'a pas démissionné. Ah, il n'a pas démissionné en tout cas, il a été montré aujourd'hui à, à France, je, je suis en train même de regarder France 24, on dit le nouvel homme fort de la République du Guinée, le président, on a dit même le chef de l'État. <laughs> qu'il se croit déjà président. Toi, tu veux qu'il se croie comment Il est déjà président, mon cher. Toi, tu es blessé dans ta chair, gris. Des voyous comme ça. Vous pensez que la Guinée, Guinée restera un état voyou Nous, on va avancer. <rire> Kondonko, <laughs> qu'il a fait, que c'est un criminel. Il y a plus criminel que vous. <laughs> il y a Jacky Alpha qui dit laissons les RPGs, ils sont en retard. Franchement, c'est pas tous les RPGs il y en a parmi eux qui sont bien. Qui sont des visionnaires, qui comprennent les choses. Mais il y en a aussi parmi eux qui sont des tarés. Vous voyez, c'est des, des débiles légers, quoi. Que non, qu ça peut pas se passer comme ça. Ça vient de se passer devant toi, tu dis que ça ne peut pas se faire, pas passer comme ça. Hein? C'est comme tu vois deux enfants en train de se, de, train de se chamailler, l'un gifle l'autre, et le second se met à dire Qui t'a dit, dit de me gifler on ne demande pas qui t'a dit de me gifler. Ça se passe devant, devant, devant tout le monde. Personne ne l'a dit. Ça, c'est des esprits, des paroles de faibles. Tikenja vous a dit que fou, 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 Alpha Conte devient fou. Vous l'avez insulté. Et vous dites aujourd'hui que Dumbuya voulait être président de la République. À qui ne veut pas être président Même moi, quand je veux être président de la République. Hein qui ne veut pas être président hmm? Même ma soeur Rama Chérif qui me regarde là, elle veut être présidente. Hein? Même Moussa Damant euh, Damantan Soumaoro, mon grand frère qui est là. <laughs> mon grand frère qui est là, lui aussi veut être président. <laughs> voilà. Il y a mon grand frère qui dit que le pays est commandé. Hein? Merci là-bas, mon frère. <laughs> Euh, Bataïb, grand euh, ton combat est noble ah bien sûr <laughs> c'est lui qui défend le peuple il est toujours euh, un homme euh, avec euh, beaucoup de dignité hein qu'on qu il a prêté eh ben il a prêté serment son excellence Dumbuya a prêté serment hein il y a Amadou euh, Fatima Khan qui dit quoi ah non, monsieur, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Ils viennent seulement regarder M. Kanté. Qu'est-ce que monsieur Kanté veut dire encore hum. <laughs> Il y a Ahmed Foufala qui dit Alors, mon frère, tu vas passer toute ta vie européenne sur Facebook. Êtes-vous marié Si oui, vos enfants sont-ils <laughs> Tu veux savoir ma vie privée ah, Monsieur Kanté est un père de famille noble. M. Kanté est marié à une femme, à des enfants. Hein Voilà. M. Kanté est un père de famille exemplaire. Tu veux savoir quoi encore Eh oui, hein J'ai une femme, je suis marié, j'ai des enfants. Et mes enfants sont très fiers de moi. Ma femme aussi, elle est très fière de moi. Et le peuple de Guinée est très fier de moins. Attention, la partie saine de la nation. Tu es maintenant content? Ahmed Fofana, <laughs> tu es content? Pose encore une autre question, je vais te répondre. Monsieur Ahmed, vas-y, pose encore une autre question. Tu sais, mon premier fils, bientôt il va avoir 19 ans. Mon premier fils, bientôt il aura 19 ans. Tu vois? Voilà. Donc, si je déduis même l'âge de mon fils dans ton âge, je pense que ce qui va rester, ça sera peur. Et mon fils, il est à l'université. Hein. Il étudie la médecine. Pas ici en France, aux États-Unis. <laughs> il va apporter son expertise son expertise au peuple de Guinée. Après ses études hein, aux États-Unis, il viendra en Guinée pour apporter son expérience. Tu vois Moi, je ne suis pas comme toi. Je, suis, je ne suis pas comme Alpha Condé, tu vois. Moi, je suis marié, j'ai une femme. Tu veux le nom de ma femme Ça, je ne te dirai pas. Hein? Vas-y, encore, trouve une autre chose. Tu peux, tu peux trouver autre chose, mon cher. Hein? Je suis là, je te regarde. Ahmed Fofana, vas-y. Ah, ma soeur, moi je vous ai toujours dit, oh. Il y a qui, nous a qui nous dit ici, en tout cas, toi, mon frère Kanté, tu nous as toujours dit, allons sur, Ah, moi je vous ai dit, oh. Moi je vous ai dit, eh. vous savez, dans le combat, il faut toujours être du bon côté. Dans un combat, il faut être du bon côté. Et moi, je suis toujours resté du bon côté. Le bon côté, c'est le côté du peuple. Safiatou Diallo me dit, ne réponds pas à ces questions. Non, ma soeur, c'est juste. Ça, ce n'est même pas un live. Comme demain, je ne travaille pas. C'est le week-end. Je dis, bon, je vais rigoler un peu. Vous-même, vous, vous voyez les horreurs ici. Donc, je viens juste rigoler un peu avec vous. Sinon, ben, moi, je suis en famille. Hein. Hum? Je ne me cache pas pour ça. Je suis en famille. OK Voilà. Je suis avec ma femme, avec mes enfants. Et voilà. Si, si c'est ce que tu voulais savoir c'est ça juste je suis là je, je suis dans mon salon je regarde le journal euh, tranquille quoi peinard. Hmm? <laughs> en plus il dit ta vie sur Facebook quoi ces gens là sont des tarés ils passent, ils passent leur temps à regarder des gens qui passent la journée à faire des des lives ouais, moi mes lives ça après le travail ça après le travail tu ne me verras jamais faire de live chez, dans mon lieu de travail. Jamais. Tu ne, me verras, tu ne me verras jamais faire de live dehors. Moi, je ne suis pas un homme de dehors. Tu vois, mon frère Fofana. Moi, je suis un homme cadré. Un homme structuré. Je sors à l'heure et je rentre à l'heure. Parce que j'ai une responsabilité à la maison. Tu vois, j'ai un devoir à accomplir. C'est pas comme ton chef, ta déception d'Alpha Condé, qui s'est marié juste pour venir chercher le pouvoir. Tu vois Moi, je suis comme Dumbuya, nous sommes des pères de famille. Tu as vu aujourd'hui la femme de Dumbuya, non Et sa maman au palais. Une femme très élégante. Le monsieur, il a des enfants. Tu connais le nom de, de l'enfant d'Alpha Condé, mon cher Fofana Andouille. Va te laver et bois un peu de bouillie, tu vas te coucher. <laughs> C'est des gens qu'on appelle les sadimina hein, Il n'a même pas de nourriture C'est lui qui vient commenter des trucs Sur les, sur les, sur les trucs hein. les, les, Faire des commentaires Sur les pages Facebook Si tu as besoin de passe Tu me dis hein. Comme ça je t'envoie un peu de crédit Et là tu Comme ça tu, tu as le temps quoi. Ça va au lieu de venir écouter, euh, 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 écrire de, de n'importe quoi sur la page déjà. <laughs> Vous doutez encore Doumbouya est déjà président. Vous doutez encore Ne doutez pas. Alors son Excellence est le président de la République. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Le président de la Cour suprême aujourd'hui vous a dit quelque chose de très important. En déclarant, ceux qui vous applaudissent aujourd'hui vous observeront demain. Et, vous savez, l'ex a déclaré devant Alpha Condé qu'il faut se méfier des révisionnistes de la Constitution. Vous, étiez vous avez été témoin de cela, colonel. Et Alpha Condé ne s'est pas méfié de la sirène des révisionnistes. Alpha Condé a dansé la musique de ces révisionnistes de constitution. Et voilà aujourd'hui là où il est. Alors, son excellence, je sais que vous êtes, euh, vous êtes un homme euh, doté d'une probité morale très élevée. Je sais que vous avez des ambitions beaucoup plus grandes. Et je sais que vous pouvez réaliser. Vous pouvez réaliser toutes vos ambitions. Je sais que vous avez la capacité. Je sais que vous avez l'audace. Je sais que vous avez le courage. Je sais que vous avez la détermination. Et je sais que vous allez entrer dans l'histoire de la République de Guinée encore une fois davantage. Vous avez fait preuve de patriotisme. Vous avez fait preuve de nationalisme. Vous avez fait preuve euh, de quoi encore de courage preuve d'abnégation en délogeant Alpha Condé le dictateur et en essayant hein, de réorganiser les appareils de direction de notre république, notre jeune république. Vous avez déclaré qu'aucun Guinéen ne sera exclu du débat politique. Vous avez déclaré encore aujourd'hui que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne se présentera aux élections présidentielles, encore moins des élections, euh, de toutes les élections de la République de Guinée. Ça, c'est un engagement. On vous croit. On sait que vous êtes un homme de parole. On vous croit. On sait que vous êtes capable de respecter cette parole. On vous croit. Vous savez, en réalité... Moi, je suis quelqu'un qui est attaché à l'histoire, l'histoire des hommes, les hommes qui ont marqué euh, de leur empreinte l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'humanité. Vous savez, vous voir aujourd'hui chef, président de la République de Guinée, ça ne m'étonne pas. Vous êtes l'un des petits-fils de quelqu'un qui a marqué l'histoire du Manding. Voyez-vous C'est-à-dire... Vos arrières, votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, qui est Fakouli, il était un chef de guerre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il est mon neveu en tant que soumoro Donc le titre de chef-téna, de quoi de commandement, ça ne m'étonne pas que vous soyez aujourd'hui président de la République. C'est dans votre sang. D'accord et le respect de l'engagement, ça, ça ne m'étonne pas aussi. Parce que votre arrière-grand-père, Fakoli, il a toujours respecté ses engagements. Ça, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas, de de, pas venu de la planète Mars, encore moins de, de Jupiter. Non. Vous êtes descendant de quelqu'un qui s'est battu pour la bonne cause. Et c'est ce qui est intéressant dans l'affaire. C'est que quand je vois vos démarches, la manière dont vous faites les choses, je sens en vous ce sang royal, ce sang de guerrier, ce sang de combattant. Ce n'est pas étonnant. Donc, moi, j'ai une parfaite confiance en vous. Après, il y en a qui me diront, M. Kanté, il faut se méfier, c'est des militaires. Non. Vous savez, chaque, mili chaque militaire a une histoire. Nous venons tous des familles. Nous sommes des petits-fils des gens. Qui ont marqué l'histoire. Si vous étiez, si vous étiez le petit fils de quelqu'un qui n'avait rien foutu dans sa vie, je me serais dit, ben, il faut pas trop, euh, il faut pas trop faire ça quoi. ne faut pas trop avoir confiance, voyez-vous. Même vous, vous, quand on vous dit Dumbuya, quand on dit Kuruma, dans l'Afrique occidentale, disons dans, dans le Manding, vous vous êtes, vous n'êtes pas un petit homme. Ce nom, ce n'est pas, pas des petits hommes qui portent. Hein? Vous êtes le représentant de ce Fakoli aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. C'est que Kemeburama, Burama, dans, 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 dans l'Empire de Wasselon, c'est que Keme Burama a été pour Samouri. Fakoli l'a été pour Somauro Kanté dans l'Empire Soso. Fakoli était le chef de guerre de l'Empire Soso. C'était le général numéro un de ce mauvais. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas étonnant que l'un des fils, l'un des petits-fils, de, de, l'un des descendants de, de, du chef de guerre numéro un de l'Empire Soso soit aujourd'hui président de la République de Guinée. Ça n'étonne pas. Ça étonne peut-être les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Mais nous qui connaissons l'histoire, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est un dominateur, c'est un mal dominant. C'est un dominateur. Les Doumbouya, les, les Kourma, ce sont des dominateurs, ce sont des chefs guerriers. Ce sont des gens qui n'ont pas peur. Voyez-vous Donc pour nous autres, ça ne nous étonne pas. C'est comme quand on dit Soumawro Kanté. D'accord Nous, ben, ça ne doit pas étonner quelqu'un que Soumawro devienne euh, chef demain ou après-demain. Non, mais c'est quelque chose qui est normal. C'est dans notre sang. Après, il y a les petits hommes à côté. Tu vois Donc, on se connaît dans ce pays-là. On se connaît. On se connaît. Donc, Son Excellence, moi, j'ai vraiment confiance en vous. Et je sais que vous pouvez bien faire les choses parce que vous êtes un homme d'honneur. Parce que vous venez d'une famille d'honneur. Une famille qui respecte la parole donnée. Voyez-vous, dans votre affaire, il y a Dieu dedans, hein? comme disent les Ivoiriens, c'est Dieu qui est dedans. Dans votre affaire, il y a Dieu dedans. Alors, ce que le président de la Cour suprême vous a dit aujourd'hui, ne prenez pas cela à la légère. D'accord Ne prenez pas cela à la légère pour dire ceux qui vous applaudissent aujourd'hui vous observeront demain. Moi, en tant que ton oncle parce que ce qu'il faut savoir, Doumbouya, c'est mon neveu. Je suis son oncle. Je suis... Euh, C'est-à-dire que si je, dois expliquer, si je dois vous expliquer la petite histoire, c'est que la maman de Doumbouya, c'est la petite sœur de, de Soumoro Kanté. OK Dans l'histoire. Donc... Et Dumbuya, ça ne nous étonne pas, quoi qu'il soit aujourd'hui chef. Alors, comme le, le, le président de la Cour suprême vous a dit, que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui vous, vous observeront. Alors, je serai le premier à vous observer. Je vous ai dit que je ne vais pas m'inscrire dans, euh, dans les critiques envers vous. Non. Je serai plutôt un conseiller. Un conseiller pour vous. Je vais vous conseiller sur tous les plans de longtemps large. Je sais que vous m'écoutez. Vous connaissez la Guinée. Je connais aussi très bien la Guinée. Vous connaissez les hommes guinéens. Je connais aussi les administrateurs guinéens. Donc, on ne souhaite pas. Vous êtes un homme, je suis un homme. La chair est très faible. Ben, si demain ou après-demain, je, je vais constater où je vais commencer à constater des choses qui, qui, va, des choses qui vont vous, vous nuire ou nuire eh, votre réputation, je, je, vais, je serai toujours là pour vous conseiller. Je ne serai pas dans les critiques envers vous, mais je serai là pour vous conseiller. Parce que je sais que votre réussite, c'est la réussite de nous tous. Je ne voudrais pas que vous soyez... Que, vous soyez diabolisé. Non, je ne vais pas accepter cela. Et tous ceux qui tenteront de vous diaboliser, je serai là. Je serai là. Je, 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 je vais m'interposer entre vous et ces gens-là. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur le terrain. Tous ceux qui vont essayer de vous diaboliser, non. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses dans la bouche. Oh non, tu as tué des gens. Mais c'est que vous ne comprenez pas. Vous qui parlez de la loi, là, je vais vous dire quelque chose de très simple vous savez devant la force la loi n'est rien devant la force populaire la loi n'est rien bien sûr la loi sans la force c'est zéro mais la force aussi sans la loi c'est le désordre okay? c'est deux choses qui vont ensemble la loi et la force vous avez voulu que Mamadi Doumbouya accepte la loi, les lois d'Alpha Condé. Mais Doumbouya a compris que non, ces lois-là, ce pas des bonnes lois. C'est pourquoi il a imposé la force. Et qu'est-ce qui s'est se, qu passé Quand il a imposé la force, ben, le peuple l'a accompagné. Donc, ça, c'est la force populaire maintenant qui a mis à terre les lois d'Alpha Condé. Donc, devant la force populaire, les lois de la République sont zéro. Parce que c'est le peuple. C'est cette même population qui vote les lois dans les conditions normales. Et ceux qui, ces juristes patentés, qui disent que, ah non, n'a aucun pouvoir de dissoudre le gouvernement, il n'a aucun pouvoir de dissoudre la Constitution, il n'a aucun pouvoir de dissoudre les institutions de la République. Mais moi, je vous pose la question. Vous, les juristes patentés, là, que ce soit les juristes de l'Afrique, les, les juristes de la Guinée ou les juristes euh, ivoiriens, les juristes patentés, là, je vous pose la question. Que dites-vous des changements qu'Alpha Condé a effectués Si vous savez nous dire aujourd'hui que Dumbuya n'a aucun pouvoir pour faire ça. Donc, Alpha Condé avait le pouvoir alors. Mais vous devez comprendre quelque chose, mesdames et messieurs. Vous devez comprendre quelque chose dans l'histoire de l'humanité pour que vous soyez roi pour que c'est-à-dire que pour que quelqu'un soit roi il a fallu qu'il tue quelqu'un pour devenir roi ça a toujours été comme ça toujours été comme ça bien évidemment que ça soit ici en Europe ou en Afrique ça a toujours été comme ça les lois ont été votées pour qu'il y ait la Stabilité pour, qu pour que les choses se passent pacifiquement. C'est pourquoi. Mais si quelqu'un vient qu'il viole cette loi et que quelqu'un d'autre vienne repousser la personne qui a violé les lois, vous pensez que la, la loi doit parler là Non, la loi la loi n'a plus sa place là. C'est la force plutôt qui a sa place là. Alpha Condé s'est cru fort. Et il y a une autre force qui est venue le terrasser. Dans ce monde pareil, là, c'est la loi du plus fort qui gagne. Regardez, Alpha Condé a terrassé Sélou d'Alengialo. Parce qu'il a, il a volé la force de Sélou, le pouvoir de Sélou. Parce qu'il a perdu les élections. Il a changé la constitution. Il a tué des enfants guinéens. Ça, c'est la force. Là, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. OK Alors, quelqu'un d'autre est venu. Plus fort qu'Alpha Condé et ses tueurs, il les a balayés. Alors, c'est la force encore qui a réagi là. Alors, les juristes patentés, euh, ils voudraient que on reste assis, qu'Alpha Condé continue toujours euh, à mener, euh, euh, à imposer sa dictature, euh, euh, à chiffonner les tissus sociaux en Guinée, à tuer les gens. Ben, écoutez, sans la force, la loi n'est rien. Vous devez comprendre ça. Sans la force, la loi n'est rien. Et la force aujourd'hui de Doumbouya, c'est une force légitime. Ok Tout le monde, toute l'Afrique parle de Génie, non Johnny Rollins de Ghana, tout le monde parle de lui. Mais Rollins, il a fait quoi Il a fallu que Rollins impose la force pour appliquer l'ordre et la loi. N'est-ce pas Les Ghanéens sont aujourd'hui dans le fruit de la force de Johnny Bien évidemment, vous les juristes patentés, vous avez condamné ça aussi pour dire qu'il a fait un coup d'état. Mais un coup d'état qui a envoyé la paix, non Qui a envoyé l'ordre, non Qui a envoyé la démocratie aujourd'hui euh, 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 au Ghana, non Hein Alors écoutez, on s'en fout de tous les articles que vous allez envoyer au nom juriste de tel, au nom docteur en, en, en droit, au nom docteur en sociologie, on s'en fout de ça. Comprenez ça une fois pour toutes, on s'en fout de ça. Nous, ce que nous voulons, que ce monsieur respecte ses engagements. Parce que quand il va respecter ses engagements, qu'est-ce qui va se passer On aura la force et la loi. La force va accompagner les lois guinéennes. Et plus personne n'osera faire quoi que ce soit. Mais sans cela, on ne peut absolument rien faire. Qu'au qu'il n'a pas respecté la loi. Vous, vous avez respecté la loi Des mythos comme ça, là. Qu'on non, qu c'est la honte. mais ben, si c'est la honte, alors, allez-y vous pendre. Hein C'est simple. Si c'est la honte, faites ce que vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, il a prêté serment. Je pensais que vous alliez empêcher cela. Mais j'ai compris au final que vous êtes des faiblards. Vous avez osé Non, il était là, tranquille, avec ses éléments, au palais. Hein Dumbuya est venu et n'a tué aucun civil. Aucun civil. Je ne connais aucun civil. Je ne connais aucun parent civil hein? qui a déclaré qu'il a perdu un enfant. Je ne connais pas. On s'en fout. Donc, arrêtez un peu vos simagrilles là. On va continuer. Donc, Son Excellence, nous, tout ce que nous vous demandons, c'est le respect de vos engagements. Pour que, ensemble un jour, on puisse se regarder dans les yeux. Et ce qu'il faut savoir, quand on m'a dit aujourd'hui qu'il est né en 84, je me dis waouh! Waouh! Mais ça ne m'étonne pas, vous savez, ça ne m'étonne pas. Parce que Kadhafi est venu au pouvoir à l'âge de 27 ans. Et Kadhafi, il a délogé son oncle en Libye. Ma mère Kadhafi qui est décédée là. Le guide de, de, de la Libye là. Il est venu au pouvoir à, à l'âge de 27 ans. Hein? Si Doumboui est venu au pouvoir à l'âge de 37 ans en Guinée. Parce qu'on a dit aujourd'hui qu'il est né en 84. Donc euh, ben, ça, ça ne m'étonne pas. C'est la jeunesse. Donc on a le temps. Il peut organiser les élections. Ben, quitter là-bas. Et puis, euh, s'il a besoin de faire une formation, qu'il vienne ici faire sa formation et que demain ou après-demain, on redescende en Guinée. On va conquérir reconquérir le pouvoir. Bien sûr. Mais c'est une évidence, c'est une éventualité. Et qui ne va pas voter pour à demain Après qu'il ait organisé les élections et qu'un civil est venu, qu'il est venu faire une formation ici et aller représenter aller reconquérir le pouvoir en Guinée. Qui n'est pas prêt à voter pour lui C'est tous les dignes fils de la République de Guinée qui vont voter pour lui. Tout le monde. Parce qu'on saura que c'est un homme qui respecte ses engagements. Bien évidemment, c'est ça. C'est ce que Johnny a fait. C'est ce que Atete a fait. Et c'est ce que Dumbuya doit faire. Voyez-vous, c'est ce qu'il doit faire. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense que... De toutes les façons, il a des bons conseillers. Le premier, c'est moi-même, son oncle. Okay? C'est moi-même le premier. Après, c'est vous. Et après, c'est les autres. <laughs> c'est comme ça. Hein? C'est comme ça la classification. Je suis son premier conseiller. Après, c'est vous. Après, c'est les autres. Donc, ensemble, nous allons l'accompagner Et jusqu'au bout. Bon, ben, écoutez les amis, c'était juste une petite causerie. Ce ben, c'est pas un live. Donc, euh, comme je m'ennuie un peu, je, je regarde le journal. Euh, les enfants dorment déjà. Ben, je dis, bon, je vais vous saluer, profiter de vous saluer. Je n'avais pas franchement envie de faire un live aujourd'hui. Et puis, euh, ça m'a pris la tête comme ça. Je dis, je vais rigoler un peu, quoi. Rigoler un peu. Parce que les enfants sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Voilà, ils pleurent parce qu'ils ont vu Doumbouya. Voyez-vous Et tellement qu'Alpha Condé, c'est un chiffon. Vous avez vu même dans son bureau, là, il n'y en a que deux personnes. Ahmed est paie à son âme. Le général Lansana est paie à son âme. On s'en fout d'Alpha Condé. Un vieux mytho qui, qui pensait qu'on était dans son monde fantomatique. Les amis, je vais vous laisser. Hein. À demain, Inch'Allah. On va préparer un live. Certainement, demain, j'aurai la chance de, de prendre mon jean d'Ibé. Et puis, on va faire un résumé large et un commentaire large sur la situation. Quoi. Donc, euh, venez massivement demain. Euh, je vais d'abord essayer de l'avoir au téléphone. Et pour qu'ensemble, on essaie d'organiser ça demain. Prenez soin de vous. Hein. Et je vais vous dire quelque chose. N'écoutez pas tout ce que les, les RP10 disent sur les réseaux sociaux. C'est le pipeau. Ils essaient seulement de mélanger la tête des gens. Regardez la réalité en face et on avance. à Guylandais, quoi. C'est ça. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Bon week-end à tout le monde et profitez bien de, de, vos, de vos différentes familles. Et voilà.